Bonjour, on est en train de faire l'ascension de la tour Madeloc qui surplombe Collioure à 900 mètres d'altitude. On est parti du niveau de la mer, c'est un régal. On a une pente moyenne de 8%, mais tout en haut ça passe à 14%, on sera obligé de descendre. La batterie évidemment commence à peiner un peu. Il nous reste une ou deux barres, mais ça devrait le faire. Et on vous retrouve tout à l'heure en bord de mer lorsqu'on aura rejoint la plage pour vous présenter ces deux merveilles. Vélo bécane, super vélo, je vous présente en deux secondes, la batterie verrouillée par la clé, on déverrouille, on tire, c'est tout simple, on lève la selle, c'est très très ingénieux, les pédales se replient bien sûr, on a ici, viens voir Didier, on a ici un petit écran qui vous donne toutes les infos, alors on peut les avoir en miles, mais nous on préfère en kilomètres. Donc vous voyez, 218 km, il me reste deux barres, on est redescendu de la montagne, ça n'a pas posé de soucis. Mais on est quand même fait moins de kilomètres que d'habitude lorsqu'on est sur cette réserve. Et ici, on retrouve la puissance que délivre la batterie, ça va jusqu'à 5. En ce qui nous concerne, en sous-bois et en balade comme ça, on ne dépasse pas le 1, le 2. Et ensuite, on actionne ce petit levier qui est bien sûr relié à la pignonnerie. Alors à ce sujet... compte tenu que ce matin on a fait un peu de montagne, on a pensé qu'un plateau intermédiaire serait bienvenu de manière à mieux développer lorsqu'on monte des côtes. Donc voilà, merveilleux, c'est très 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 sympa. Regardez le design. Il est vrai qu'à chaque fois qu'on roule, soit on nous regarde, c'est pas qu'on aime qu'on nous regarde, mais en tous les cas c'est le cas. Et beaucoup de gens s'arrêtent pour nous demander ce qu'il en est, où est-ce qu'on l'a trouvé. Donc on dit qu'on l'a trouvé, ben, vous avez pignon sur rue. Quai de Valmy sur Paris, c'est une fabrication française et dans le détail c'est toujours qualitatif, hein. Quand on regarde comment est montée la selle, quand on regarde les serrages de potence, quand on regarde l'endroit où se plie le cadre, tout est terminé le plus correctement possible. Deux freins à disque pour freiner sont avérés un peu légers en descente, mais enfin on a quand même descendu des pentes assez importantes, donc c'est peut-être pas fait vraiment pour ça, mais sur plat et en balade vous vous arrêtez sur place. Donc voilà, un truc, on en est ravi, mais vraiment ravi, on s'éclate. Il y a un look super sympa. La batterie se recharge en 6 heures. En temps, en usage normal comme ici, c'est du 50 km voire 60 si vous soulagez la batterie en la mettant à zéro, parce que sur du plat ou du faux plat, avec l'inertie du vélo qui pèse quand même 24 kg, avec un coup de pédale, ça part tout seul. Donc très bien, on est ravis. Voilà messieurs, dames, je vous conseille de vous renseigner parce qu'il n'y a pas beaucoup de vélos comme ça sur le marché.